Je dis encore une fois, conviction vient renforcer en haine contre politiciens haïtiens. Et c'est avec un peu le cœur serré. C'est avec un peu le cœur serré. Moi, je viens essayer pour me parler ensemble avec nous là. Après, je viens entendre professeur Franck Etienne. Tu as participé dans l'émission Wendell Théodore de Radio et Télé Métropole. Ça fait mal. Ça fait mal en pile. Professeur Franck Etienne, 87 l'année. Plus passé 60 ans. A penseye. Si moun a travers le monde. En Haïti, plus passé 40 l'année. Et c'est grave. Ça m'attendait ya. Et encore une fois, conviction renforcée dans la bataille contre la classe politique haïtienne. Conviction renforcée dans soutenir haïtiens qui vivent dedans ou à l'extérieur du pays. Dans acheter manchette payo. Dans chaque haïtien, achete manchette, mette la caille. Ou dans la diaspora, achete manchette. Vous en Haïti. C'est lui, effectivement, qui a stop kidnapper. C'est lui même, effectivement, qui a bloqué justement les assassins, assaillants, criminels, qui a violé les jeunes filles, tué les femmes enceintes, pour les poignettes malheureux, malheureuses, les kidnappés. Violé Timoun, 14 ans. Manchette nous est important. Et c'est manchette nous en tout qui est capable de faire politicien ranger bouche le parler dans jour ça yo. Et il y a fait un pile, tendez bien. Extrêmement important pour chaque haïtien acheter manchette mettre la caillou. En nous tendez ensemble avec moi. Professeur Franck Etienne. Et ça fait mal en pile. Il dérange en pile. Ça révolte en pile. C'est un droit. Etienne, 87 ans. J'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bel Air. Mon école n'était pas à la rue Capois. Mon école a été au Bel Air pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins. Ceux-là qui m'écoutent maintenant, je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays long. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Et les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager, j'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis un analphanète.
C'est-à-dire que je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gourdes. Je n'ai pas le smartphone. Donc je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et bien pendant ces 5 dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges. Des anges comme toi. Des anges comme, je cite son nom, comme Ouzier, Daniel Gérard Ouzier de E-Power. Des anges comme Jean-Henri Séan. Des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille. Pendant que j'ai deux enfants en difficulté, deux petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire dans une prison de bouillon. Comment je vis avec la miséricorde divine? C'est grave. Désolé. Parole Franck Etienne. Alors, parole des millions haïtiens. À travers un cri de professeur, un cerveau, un patrimoine, à savoir Franck Etienne. Parole écrit chaque grand haïtien qui est en détresse et en douleur, qui vivent des moments extrêmement compliqués. Alors, 7 jours sur 7, 24 sur 24. 365 jours sur 365 jours. Cri Franck Etienne, yon haïtien, yon moun ki douat, et ce exemple vivant pour tout moun ki douat en dit dans pays ça. Là, li fait déclaration ça le 4 juin 2023. Si pas malheur, l'été osé faire déclaration ça en juin 2019, yo t'a vinn bouler dans radio. André Michel t'a vinn bouler dans radio. Nenan Kassi t'a vinn bouler dans radio. Boulos t'a voyé bouler dans radio tout vivant. Dimitri Vop t'a voyé bouler dans radio tout vivant. Parole Franck Etienne. Si en 2019, l'été osé faire déclaration ça que le fait là sous radio et télémétropole avec Wendell Théodore, Jacques Mel pareil moi Sud-Est. Si c'est en 2019, en juin 2019, il fait oser, lui oser faire des cas sur ça, ou bien 2020-2021. Si c'est 4 juin 2021, il t'a assassiné dans le pays. Parce que il t'a dit son allié, Jovenel Moïse Guerrier. Il t'a dit son allié de Jovenel Moïse que lié. Peuple haïtien, Franck Etienne, son haïtien, même j'ai avec tout l'autre haïtien. Et c'est moun qui sacrifie yon pour pays. Yon moun qui tout pendant 40 ans, les qui en pile si moun, qui gen boost pour y aller à l'école. Ça veut dire que à l'école gratis la kaili. Pendant 40 années qui côté sous Belay. Il y a des gens qui ont demi-bourse. Pendant 40 années, la Kaili, la fait ça. Pendant 40 ans, la bête des gens demi-bourse. La bête des gens bourse d'études. La enseigné des gens. Vous imaginez où? Qui quand tu haïtien, haïtienne, qui compte lit. Gratis, ti chéri. Grâce avec Franck Etienne. André Michel. Nelan Kassi, Majorie Michel Don Kato, Chile Ludor, Vite l'homme, Iso, c'est des multimillionnaires.
Faut que tienne son pauvre. Son connaissance. Son patrimoine. Cap aider qui était droite. Mais attendez bien. Dans la vie, il faut qu'on gagne des bagages pour qu'on fonctionne. Il est extrêmement pauvre. Les jours, si c'est pas Jean-Henri Seyan, Gérard Ouzier, les cités des noms, si c'est pas Mounsayo, grand goût à pété fiel. La fin, ta pété fiel. Li. Petite li, qui a difficulté aux États-Unis d'Amérique. Youn handicapé, youn, dans prison provisoire à New York. Peut-être, si papa a des moyens, il est capable de prendre un avocat. Si ça ne fait pas grave, il est capable de libérer. Mais il y a un monde qui sert le pays. On a plus passé 60 l'année. Et bien dans l'État, il est en politique avec nèg. Mais, politique stérile, politique hostilité, politique violence, politique la haine, politique où il y a comme un mec comme. Il détruit. Il détruit. Faut qu'il tienne. Tu fais ça, fait mal en pile. J'ai enseigné pendant plus de 60 ans. J'étais professeur dans plusieurs lycées. Je ne peux pas compter le nombre de conférences que j'ai données dans les pays étrangers et en Haïti. Je ne peux pas compter aussi quand j'avais mon école au Bel Air. Mon école n'était pas à la Rue Capois. Mon école a été au Bel Air pendant près de 40 ans. Et ils sont témoins, ceux-là qui m'écoutent maintenant. Je ne peux pas compter le nombre d'élèves qui ont été des boursiers, qui ont été des semi-boursiers chez moi pendant 40 ans. Je n'ai pas de retraite, je n'ai pas de pension. Je vivais de mes voyages culturels. J'allais aux États-Unis, au Canada, en Europe, pour prononcer des conférences qui m'étaient grassement payées. Et je profitais pour glisser quelques tableaux dans mes valises. Et je revenais sans ces tableaux parce que je les avais tous vendus. Depuis 5 ans, je ne voyage pas. Et j'ai été frappé d'abord par la politique stupide, ridicule, débile du pays long. Car nous avons une stérilité de la pensée politique en Haïti. Il n'y a pas de créateur politique en Haïti. Donc ils ont utilisé de manière perfide et pernicieuse et méchante une pratique politique stérile qu'on a appelée le pays fermé. Les barricades partout. Je n'ai pas pu voyager, j'étais pas mal encore malade. Je n'ai pas pu voyager depuis les années 2017-2018. Malgré toutes les invitations que je recevais de là-bas. Et ensuite, il y a eu le Covid, le confinement. Maintenant, c'est visioconférence, vidéoconférence. Je suis un, rappelez ça, acceptez ça, hein. Je suis un analphanète. C'est-à-dire, je n'ai jamais touché à un clavier d'ordinateur. Mon téléphone est un téléphone de 150 gouttes. Je n'ai pas le smartphone. Donc, je ne pouvais pas communiquer avec l'extérieur. Et est venu le Covid. Et bien, pendant ces 5 dernières années, j'ai vécu parce que cette force invisible que j'appelle l'énergie universelle, reliée par la générosité d'un homme devenu Dieu, qu'on appelle Jésus, a placé sur mon chemin des anges comme toi, des anges comme, je cite son nom, comme Ouzier, Daniel Gérard Ouzier de E-Power. Des anges comme Jean-Henri Seyan, des anges comme Ronald Saint-Jean. Et sans ces anges, j'aurais crevé de faim avec mon épouse et toute ma famille. Pendant que j'ai deux enfants en difficulté, deux petits-enfants en difficulté aux États-Unis, l'un handicapé dans un hôpital et l'autre en détention provisoire. C'est une prison de douleur. Franchement. Vraiment, pas de mots. Je m'exprime. Sous ça. Et sous ça que je connais. Moi, je connais.
c'est parole majorité haïtienne. C'est cri majorité haïtienne. Qui soutient en voix. Professeur Franck Etienne. C'est cri majorité monde qui a inondé dans Port-au-Prince là. En bas de l'eau. Pendant que tu es capable de faire prévention qui t'est faite. Si politique pas fait chaque monde cadeau au ministère qui là qui au service population. Dans tout pays sur la terre Franck Etienne, c'est ta pion bibliothèque ambulant, c'est ta pion patrimoine Franck Etienne, c'est ta pion franchement ou pas gay. Ou vraiment pas qu'à jouer de mots pour décrire Franck Etienne. Comme si tellement que bagaille pour ta dit. Soixante ans à enseigner en Haïti. 60 ans à enrichir. 60 ans. 60 ans. Mais ça faut qu'ils tiennent. Son monde qui est à vivre de politique, de la politique. Il qu'on a vivre de connaissances li. Ça qu'elle fait dans la ville. Li du depuis en 2017 à nos jours, li complètement dévasté, effondré. Sur le plan économique, li complètement dévasté, dégradé, décapitalisé. Parce que la politique en Haïti, justement, détruit tout le monde qui a choisi d'entrer dans le sexe. C'était professeur Franck Etienne. Les Haïtiens, je suis content pour me saluer. Je vous dis encore une fois. Nous pourrons faire un petit parler de président Jovenel Moïse. Mais dis-nous, professeur Franck Etienne, sur le palais là. Si pas malheur, c'était en 2018, 2019, 2020, 2021, il fait déclaration ça, il t'a vu une boule automatiquement dans la radio. Et c'est la classe politique haïtienne, c'est l'opposition politique qui t'a boule tout vivant. Il t'a touillé, même j'en touillé M. Dorval. Parce que il t'a dit, son pion Jovenel Moïse gagne. A fait promotion pour les radio. Le tuer M. Dorval, c'est pour Jovenel Moïse qui tuer lui. Tu comme ça? Le tuer M. Dorval, le tuer pour président Jovenel Moïse. Parce que, parallèlement parlant, ils ont parlé même parole avec le président. Ils ont joué sous même ligne. Ou du moins sous même route, tu te croisé. Ils parlent seule parole. Changement. Constitution pays. Si on a parlé de changement, yon pays. Il faut que nous changions. Bien, oui, base loi qui n'a pas fonctionné. Mais ça, il fait mettre Dorval prendre plusieurs cartouches dans le parking de la Kaili. Et ça, tout, il assassine Jovenel Moïse de la Kaili. Ça, c'est une dame. Si c'est pas malheur, Franck Etienne, tu es un matichon. C'était en 2019-2018. Tu as participé dans l'émission ça. Tu as fait des classes sur ça. André Michel t'a vint bouler le tout vivant. Doun Kato t'a vint bouler le tout vivant. Youi Latoti t'a vint bouler le tout vivant. Et Valia Beauplan, Chile Ludor, Enel Kassi. Edmond Bozil, Major Michel. Vite l'homme innocent. Pasteur Forge, Pasteur Gérald Bataille. T'a vint bouler le tout vivant. Radio. Et je dis, mon esprit, haïtien, qui couen Haïti. Aïe, c'est crémé Haïti pour tout le monde. On espère que nous comprenons.
J'espère que nous entendons et comprenons. Je dis, nous prenons des Haïtiens, sûr, monsieur de ça, qui pourra lancer GoFundMe pour Franquette. Le secret, nous a respiré, mais devant nous, nous avons vu que nous pas existé. Nous avons pour nous baisser à pouvoir, tout en se yon bagaille ou empiré. Qu'il est navas sorti, nous fait noir, nous mal, mal, mal. Faut bourgeoisie, qu'il y ait des pays à notre coup. Y'a qu'il y ait pouvoir et qu'il y ait franchise tout partout. Y'a qu'il fait la loi et y'a qu'il y ait tout pour honnête. Yo bon, yo bandit, tu le bourgeoisie. Les yo en vie, fait nous pas capant la vie. Yo qui est pouvoir et yo qui est tout pour yonnet. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité. Qui l'en a pour dénoncer. Si c'est pouvoir yo. Yo pi à l'aise que policier. C'est yo même celle qu'autorité.